Je vous salue, Marie. Ottawa, 16 juin 1947. Dans cette capitale où bat le cœur de la nation canadienne, des bras vaillants ont projeté au-dessus du monde le triomphe de la Vierge sur les âmes et sur les cœurs. Du sanctuaire du Cap de la Madeleine, villes et villages de 5 diocèses ont jalonné la montée vers l'apothéose. Le chemin de la Vierge ouvert sur 700 000 par le socle de la prédication est pavé de pénitences, d'offrandes, bordé de prières et de recueillements. Chante la nuit de juin, répand aux quatre échos l'immense joie des cloches et des Alléluia. Voici la protectrice du jour et de la nuit. Et voici la chapelle de la paix, où sans interruption, pendant 127 heures, la messe sera célébrée et le Christ donné aux hommes 150 000 fois. Les princes de l'Église viennent diriger le flot des croyants. Son éminence, le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto, légat du pape, qu'accompagne son excellence, le délégué apostolique, Mgr Anthony Otti. Comme il éclaire ce jeudi matin marial, il se lève sur le centenaire du diocèse d'Ottawa. L'archevêque, Mgr Vachon, fait de ce jubilé la préparation aux journées sublimes qui suivront. Cardinaux, archevêques et évêques, ambassadeurs extraordinaires de la seule vérité, pour célébrer votre triomphe aux Vierges, sont tous venus déposer à vos pieds la douleur que domine la foi, la misère que soutient l'espérance, l'immolation qu'appelle la charité. L'autorité civile s'unit à l'autorité religieuse et le faste de ses réceptions est à la hauteur de son respect. Le vicomte Alexander, gouverneur général du Canada, reçoit les chefs de l'Église, gouverneurs spirituels du monde catholique. Parmi eux, à droite, le cardinal Mizzenti, qui devait souffrir la persécution. La nuit renouvelle la ferveur du jour. Étoile au rayon tutélaire, nous vous glorifions dans l'humilité de nos jeux de lumière. Ce vendredi matin, effet d'offrande et de réparation. Mgr Vladimir Ladika, exarque apostolique des Ukrainiens au Canada, célèbre une pontificale en rite ruthène. L'Orient et l'Occident chrétien trouvent au pied de Marie l'unité d'expression de la prière. Les cardinaux Tisserand de la Sacrée Congrégation de l'Église orientale et Bettencourt, archevêque de la Havane. Le cardinal Fings, archevêque de Cologne. Le cardinal Mizzenti, martyr pour une église hongroise un jour libre.
des Indes est venu Mgr Ivanios, converti au catholicisme avec toute son église. Dans l'après-midi, l'éloquence des orateurs religieux rassemble la foule et les dignitaires. Le soir, le grand jeu scénique de Notre-Dame du Bel Amour relatera la vie de la Vierge avec une sincérité d'expression qui en fait une œuvre de foi. De Québec, province catholique, est venu le premier ministre Duplessis. Le cardinal Gerlier apporte la présence de la France, fille aînée de l'Église. Les profondes convictions religieuses qu'enracinèrent dans le Québec les prêtres et les colons français confèrent à M. Duplessis l'honneur de présenter l'éloquent prélat. Les fêtes mariales d'Ottawa eussent été incomplètes sans une exposition religieuse. L'universalité du règne de Marie est le plus beau et le plus vrai des récits. Une fresque mondiale de 106 kiosques le raconte. Un demi-million de visiteurs ont parcouru cet incomparable livre d'apologétique. Les plus intéressés, et peut-être les plus remarqués, furent les cinq jumelles Dionne et leurs familles. Samedi, quatrième étape du congrès, est jour d'adoration. De toute la force de leur jeune dévotion, les écoliers canadiens chantent la messe dialoguée. Mgr Langlois leur parle de vocation religieuse. Devant leurs yeux sont les plus dignes fils de l'Église. Mgr Roy, archevêque de Québec. Le cardinal Spellman, archevêque de New York. Mgr Cody exalte l'apostolat missionnaire et la foi entière des enfants et le plus bel hommage que recevra la Vierge. Dans ce trésor spirituel qu'ils remettent à Mgr Vachon, ils n'ont demandé qu'une touchante faveur, du beau temps pour le congrès. Dans la procession mariale, les plus beaux symboles et les plus belles couleurs glorifient Notre-Dame. L'immense ruban de la foule et des chars étale pendant 3 heures la gloire de la Reine des cieux et de la terre. À Jésus par Marie, Mère secourable qui nous ouvrez le cœur de votre Fils, nous vous prions. Notre-Dame des neiges, Reine des immensités, protégez notre terre. Ignorant la glorieuse destinée de leur enfant, Joachim et Anne la consacrèrent au service de Dieu. L'archange Gabriel lui dit « Je vous salue, ô pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Craignant un nouveau-né qu'on dit Dieu, Hérode massacre les innocents. La Sainte Famille fuit en Égypte. Mère douloureuse, espérance de ceux qui pleurent, voici que vous nous donnez le Fils qui veut être notre frère.
Consolatrice des affligés, abaissez votre regard sur ceux qui souffrent. Étoile des marins et reine des éléments, brillez en ma nuit solitaire. Reine des apôtres, mère de la sagesse, donnez à votre église de nombreux ouvriers pour la divine moisson. Reine de la paix, faites que nos enfants ignorent l'inutile atrocité des champs de bataille. Rose mystique qui répandait le parfum des grâces, fleurissez nos temples. Mère immaculée, éloignez des cœurs la corruption qui souille, au lys sans tache, gardienne de toutes les vertus. Réjouissons-nous, dans son assomption glorieuse, la Mère de Dieu trône au-dessus des cœurs des anges. Et le Père éternel l'a reçue comme sa fille bien-aimée. Il en a fait la plus glorieuse des reines, et son règne ne finira pas. Regarde avec amour sur les bords du grand fleuve, un peuple jeune encore qui veut grandir dans la foi. Garde-lui tes faveurs, préside à ses destinées, ô Marie, Notre-Dame du Canada. Ô vous de qui le jour reçoit le jour sans cesse, lumière du monde, donnez aux hommes, à si grand peine aimants et fraternels, mère de l'infini et mère des humbles, donnez l'amour éternel. Dimanche, apogée du congrès, jour de consécration. Le dernier jour de ces manifestations pieuses rassemblera en une seule fois toutes les foules, tous les cortèges princiers, tout l'apparat et toute la dévotion dont les premiers jours avaient été témoins. De nouveau repassent devant nous les plus nobles figures du Congrès. Monseigneur Vachon, archevêque d'Ottawa, organisateur du Congrès, les cardinaux Bizanti et Frings, qui sont des chefs de file dans leur pays tourmenté par le communisme, le cardinal Bettencourt, qui présidera la cérémonie de consécration, le cardinal Spellman de New York, directeur spirituel d'une minorité catholique plus forte que les masses qui l'environnent.
le cardinal Mounet, archevêque de Détroit, le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, qui remettra à Mgr Vasson la médaille d'officier de la Légion d'honneur, et le cardinal Tisserand. Le cardinal McGuigan, archevêque de Toronto, légat papal. Il ne sera jamais dit le grand apaisement qu'apportèrent aux innombrables fidèles la prédication et la prière. Jamais le visage anonyme de cette foule ne laissera lire l'individuelle exaltation des consciences, l'intime joie obscurément partagée. C'est qu'au-dessus des divisions de langue et de frontières, l'universelle Église catholique offre ici le réconfort de la vraie foi, et nombreux sont-ils à venir y puiser. Les chefs d'État, dont la tâche quotidienne est la vie d'une nation, les grands et les humbles, les faibles qui ne sentent plus la fatigue, les malades qui sourient au soleil brûlant, les pieux et les hésitants qui demandent la force, les forts qui recherchent la prudence, les incroyants surpris d'être ébranlés, les sceptiques qui regardent étonnés et ne peuvent détacher les yeux, curieux ou sincères, tous ont voulu aller à la Vierge et la grâce à border leur chemin. Des comités dont s'entoure Mgr Vasson, le plus fier est celui du beau temps. L'inlassable archevêque trouvera un rare moment de loisir pour recevoir sa famille. Et parmi ceux avec qui il pourra s'arrêter un instant, se trouve un père de famille bien fier de ses 5 filles. Avec les plus grands artistes des scènes lyriques, les jumelles Dionne viennent chanter les louanges de la Vierge à la bénédiction solennelle du Très-Saint-Sacrement. La place du reposoir est une mer vivante sur laquelle passe un grand souffle de foi. Cette dernière cérémonie religieuse de l'après-midi sera la consécration du Canada à Notre-Dame. La nuit tombe et le congrès marial prend fin. Pendant 5 jours et 5 nuits, 1,5 million de pèlerins sont venus s'agenouiller au pied du reposoir d'Ottawa. Pendant 5 jours et 5 nuits, la mère des hommes a répandu ses grâces sur toute la terre. Lumière des ténèbres, Mère du Fils de Dieu, notre Mère, que l'hommage de votre peuple vous soit doux. Ottawa, 22 juin 1947. Je vous salue, Marie.